pas prévu de stream forcément, je voulais passer faire mon casino. Mais j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui étaient en jeu, du coup je me suis dit bah vas-y, il y a peut-être moyen d'avoir des scènes. J'ai toujours une blessure, faut que j'aille me faire soigner. Oh. Joyeux Noël, Lucie, hâte de te revoir. Hâte de te revoir carrément. Yo Nako, yo Remia. Il y a le Bahama qui est ouvert. Elle est où ma bef? Dehors, ça veut dire qu'elle est en fourrière. Il y a une fourrière. J'aurais pu y aller à pied en fait, mais c'est pas grave. Je vais y aller à pied. Je crois que c'est vraiment là, genre. Je sais pas exactement où là, mais. Je suis pile sur le point, mais je sais pas où il est le truc pour sortir la voiture. Je vais pas trouver comme une conne.
qui est Anako? Mais je sais pas. Il a eu un délire, mais je... J'ai pas compris. Me demande pas. Je te jure. Je peux te lire ce qu'il m'a MP, hein. Il m'a MP. Où est-ce qu'il est à coup? Il m'a MP hier à 14h. Psst, Ellie, Nako en tenue de maid qui fait ara ara pour Noël, dis pas que je t'ai soufflé l'idée. J'ai pas compris d'où ça sortait et pourquoi il me le disait à moi. Et ce qu'il attendait de moi. Voilà. Je balance parce que j'ai aucune idée de ce qu'il voulait dire. Et coucou Ruby. Et coucou Storm, ou Grigory Storm, je sais pas comment tu préfères qu'on dise ton pseudo. Bienvenue. D'accord, mate, ça peut être sympa. Moi, je soupçonne que Taku avait bu. Hein, parce que je sais pas d'où il me sort ça. Car près d'une porte de garage. Here. Ah. Aha. Attendez, j'ai les cheveux mal mis, ça me gêne. C'est bon.
j'arrête de lire le chat. En conduisant. Arrêtez de me mettre la pression. C'est du spam d'émotes, ça je reconnais, ça va se faire ban, non? Non, c'est vrai, j'oserais pas. Bully et les autres interactions comme ça, c'est pourquoi j'ai mon avatar de mis à l'écran. En gros, Bully, ça me lance un truc à la figure. Et là, j'ai pas mon avatar. Et tous ces flashs sur le photo booth. Hi Yoshi. Et joyeux Noël. Allez, on y croit. De l'argent. Beaucoup d'argent. Drink Sono. Ah non? 15 000? Let's go. Projet de véhicule, je t'avoue que je préfère l'argent qu'un véhicule.
Oui, ça peut peut-être revendre à des joueurs, mais il faut trouver quelqu'un, quoi. On va aller s'habiller, puis on va voir s'il y a du monde aux Bahamas, vu qu'il a l'air d'être ouvert. Et coucou Satie. Attends, j'ai quoi dans mon armoire? Moi j'avais fait ça pour les soirées. Je peux sortir comme ça. Sans le masque. Ah, le Bahama c'est peut-être pas ouvert. J'ai envie d'être sapé bien. Au pire, je vais rester comme ça, mais je vais voir si je peux pas mettre une veste par-dessus. La question est-ce que je peux mettre un gilet et le retirer aussi après? Ou est-ce que ça va être buggé?
Fais quoi? Aucune idée. Le devant est mignon, mais j'aime pas les écritures derrière. Bon, il y a ça. À la limite. Merci Rosilia pour le follow, bienvenue à toi. Ça bug par contre. Ça fait des trous quand je marche. Faut que je change de gant. Si je le retire. Ouais, non, ça va me faire des trous dans les bras aussi. Ah, il y a celui-là qui est sympa aussi. Si j'essaie d'enlever, ça marche, yes, nickel. Bonjour madame. Wow. Fait peur. Mais jumpscare.
Clem, tu veux quelque chose? Je veux bien un truc sans alcool, s'il te Bonsoir. plaît. Vas-y. Bonsoir, Lucie. Bonsoir. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va. Et joyeux Noël, du coup. Je roule en plateau, Clem. Yes. Et voilà. Peut te servir quelque chose. Oui, vous avez quoi comme boisson légère? Ben soit tu as les cocktails qui sont assez légers, ou alors tu as du sans alcool. Je vais prendre un De l'eau. petit cocktail, n'importe Ok. lequel. Je te mets ici dans le plateau. S'il te plaît. Te fais la petite facture. Et voilà. Et voilà. Merci. Toujours ma mode avec les clés dans ma main là. C'est chiant. Fait la réaction, les deux. Non. Pas beaucoup de monde. Ça marche pas très bien ici. Voilà, je te l'ai faite. Merci.
suis très tentée de demander à Clémy, tu m'aides toujours pas à travailler, relation. Vas-y, dis ça, allez, allez, fous le camp, saleté. Lucie? Oui. Lucie? Alors, je sais qu'on se connaît pas, mais est-ce que je peux te parler 2 petites secondes? Oui. Ouais. Bon, on va se mettre là. Hein. Bon, mais du coup, enchanté, moi c'est Léona. Enchantée. Bon, attends, parce que ça va être très bizarre, mais j'ai appris qu'apparemment, avec Scott, tu. Enfin, ça va compliquer. Il y avait un petit truc, quoi. Je sais pas trop ce qu'il y a. Ah. Ok, bon. Mais de son... Attends, de son côté, il y a un truc. Attends, il est où? Attends, parce que je le connais. Où est-ce qu'il est parti? Bah non, ça va, il est pas là. Bah, un petit peu, oui, je crois quand même, parce que bah, je t'avoue, oui, c'est mon jumeau, donc oui, je le connais. Et oui, je pense qu'il y a quelque chose. D'accord. Du coup, c'est ça que je vais te voir un petit peu, si toi, il y a quelque chose ou pas, quoi. Bah, il y a un petit truc. Je vais pas Il est mentir. gentil. Il y a un petit truc. Il est Après, juste bête de temps en temps, mais ça je vais pas me jeter quelque part où je sais pas trop où je vais. Mais ça fait pas longtemps qu'on se connaît, quoi. Mais il y a un petit truc. Oui, et non, mais franchement, je dis pas ça parce que c'est mon frère, parce que sinon, c'est un trou de cul les 3/4 du temps, mais il est gentil. Ouais. Franchement, et de toute façon, il sait qu'il peut pas faire du mal aux gens, sinon, je lui pète les dents. Donc voilà. Non mais ça va, c'est juste pour savoir. Ok. Ça va. Mais du coup, on va sûrement se revoir parce que tu travailles au 77, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah ben bah, nickel. Je travaille de temps en temps, bon. En bleu, c'est pour une nuit et en vert, c'est open. Ah bon, on verra. Devine, je suis en quelle couleur? Toi? Ouais. Toi, t'es... Attends, y a pas un truc encore plus que open? C'est quoi déjà les couleurs? Mais t'es vraiment un petit con! Ah, t'es fou! Merci, merci. Mec, là, me rappelle les couleurs, s'il te plaît, parce que je sais plus trop. Rouge, c'est si t'es pris. Vert, c'est Ouais. si t'es libre. Et bleu, c'est pour une nuit. Ah, ok. Et Léonal va venir en noir parce que c'est multiprise. T'as tout compris. Si je viens en noir, je crois que je me fais défoncer. Pourquoi? C'est pas Parce grave, qu'il y hein. en a un qui sera pas d'accord. Qui ça? Au début, je voulais faire une blague et venir en vert. Après, je me suis dit, je vais finir célibataire alors que le couple est en train de se former, quoi. C'est un petit peu con, ça. Oui. Du coup, je Mais vais tu vas venir partir en en rouge. célibataire. Ben oui, je vais venir en rouge. Après, le vert, c'est pas Parce que des joli. prises, même. Pas pris officiellement, mais d'ici 2 3 jours, sûrement. Mais 2 3 jours, justement, c'est la soirée, non? Ah ben oui, mais j'attends cette putain de Ok. soirée. Donc t'attends la soirée pour qu'il te pécho. Bah, c'est-à-dire qu'il a déjà essayé, mais moi j'ai fait des bêtises. On va dire, ça va être un peu T'as fait quoi comme bêtise? l'officialisation. Ouais, voilà. T'as fait quoi comme bêtise? Vas-y, explique tout. Alors, attends, parce que ça va être très compliqué à expliquer ici. Vas-y. Laissez-moi trouver mes mots. En gros, il y a eu la tempête. Ouais. Et tu vois, juste avant la tempête, il y Ouais. a un truc qui apparaît. Et du coup, il a voulu me kiss. Et moi, j'ai fait... Ah putain, attends. Parce Formule... que... Hein? Ok, oui. Ouais. Une connasse. Ouais, le J'ai bordel. juré t'es une connasse. Hein. Et la deuxième fois, on a fait dodo ensemble dans le bureau. Et ça se peut que...
ça allait encore se faire, mais que je m'énervais parce que le canapé étant trop petit, je n'arrivais pas à me mettre. Du coup, j'ai refait Vu la tes même chose. 153 kilos. Dis! J'ai refait exactement la même chose. Du coup, il s'est pris deux Donc pour points. résumer, t'es une connasse. Je suis une connasse, effectivement. Du coup, ben, mercredi, c'est moi qui vais pécho. Sauf s'il me fait la même chose. En vrai, j'espère. Hein. Toujours, il me fait la même chose, je vais m'habiller en Oh, vert. franchement, ce sera juste le karma. Oui. Mais bon, avant-hier, j'ai quand même fini sur ses Ils genoux veulent en pas maillot de ouvrir bain dans les la jamets sans piscine. jour. Enfin, dans les jacuzzis. Mais toi, ton bar, tu l'ouvres que pour toi et lui, pour qu'ils te prennent dans tous les sens ou quoi? Mais non. Non, on était Bah. plusieurs. On était. Ah, plusieurs à la prendre! Je me Ah oui, suis fait c'est pas prendre mal par ça, tous dis les donc. trous, bordel. Du coup, on disait. Ouais. Du coup, on disait que voilà, ça Allô? avance bien, mais Oui, bonjour. on doit. En fait, je voulais. Tu sais avec qui j'étais en couple. Oui. T'as entendu? Et genre, avec Merci, cette allez, personne, salut. c'était vraiment Salut. spécial. Alors, il y avait vraiment, tu Non, vois. ma masse pour moi. Attends. Tu vois, genre là, hein? Ouais, oui. C'était pareil. Du coup, voilà, j'avais du mal Ouais. de passer à autre chose. Puis il y a Dommage, je Blake qui est vois. arrivé et il a commencé à faire une musique, etc. sur moi. Attends, il faut une musique pour te choper, toi. Non! Waouh, Mais genre, t'es il a facile, commencé. toi. Une bonne musique, tu vois ce que je veux dire? Genre, il a fait une musique, il a toujours été là, enfin, tu vois. Il a tenté, il s'est confronté à Féfé quand même. Il a eu les couilles. Pas mal, pas Et mal. du coup, ben, je me suis rapprochée de lui et tout. Et il y a un moment, il m'a emmené au niveau de. Tu sais, We Fab Merry Christmas, là. Ouais. On a été là et il m'a dit, je sais que t'es pas prête, mais prends ton temps et quand ça ira, tu me Il y a fais un signe. chat qui miaule derrière. Le lendemain, j'étais en jacuzzi sur ses genoux. Grognasse. Du coup, voilà, il m'a dit, ben, ah, ça a bien avancé. J'ai fait, oui. Oh putain. Et mercredi, ben, ça va encore plus avancer, je pense. Oh Et putain. oui, on a déjà dormi ensemble, en vrai. Mais il s'est jamais rien passé. En tout honneur. Là là, putain. Ouais. Compliqué tout ça. Du coup, bah, ce sera le deuxième policier, quoi. Comme Ah parce que attends, il est Fefe. policier en plus de ça. Ben oui. J'ai Ah pris merde. BCSO, maintenant je prends LSPD. Ah mais t'es une connasse en fait, c'est pas trop bien ça. Ben, bon, je Clem, pas. t'ouvres pas ta gueule toi, hein, parce que je sais bien que ton copatron là c'est aussi un policier. Chut. Ne t'inquiète pas, moi je parle pas, hein. Ouais. Donc, t'inquiète, Clem, il sait Si des je trucs. commençais à parler des gens que je côtoie, parce que tu es dans la merde. des personnes qui font des trucs pas chrétiens et des gens avec qui je traîne qui sont chrétiens, si tu vois ce que je veux dire, je serais déjà plus de ce monde. Bah, en soi, t'as pas grand chose à te reprocher, si. Moi, du tout. Voilà, ça va Putain, mais alors. moi, je crois que je meurs. Bah, t'inquiète, je sais ce que je dis Avec et à tout ce qui que je je le dis. sais. Oh, ça va. Moi, Avec tout ce que je sais, je peux envoyer tout le monde en prison. ouais, mais non, parle pas trop non plus. Non. Ah, mais les emmener en prison, c'est bien, mais après, fuir une fois qu'ils sortent de prison, c'est autre chose. T'inquiète, je gère la conduite. Oui, bon. Non, demande à Clem, j'ai pas eu d'accident aujourd'hui. J'en suis sûr, même le mec, tu lui mets 10 ans de prison, il ressort, t'es à peine en train de faire ton créneau aux Bahamas pour partir. Quel enculé! Obligé d'appeler la dépanneuse du bénisse pour fuir. Il y en a plus là. C'est ça. Il y en a plus, elle va devoir fuir à pied. En Non, parlant en du vrai, je fais bénisse. juste un peu la multiprise, ça passe, t'inquiète. Rien. Bon, bah, j'ai dû changer de véhicule. Hein. Pourquoi? Tu sais que. Attends, ta gueule. Ouais. C'est pas prestigieux. Mais comment il parle? T'inquiète. C'est depuis la naissance. Il en C'est un profite, c'est le enculé. petit frère. Je lui aurais cassé les dents Non, à ta place. mais non, il est juste con. Ouais, parce que c'est moi qui ai né en Tiens, première pour cher, fleurir. regarde, le tabouret t'a rendu. Ah,
qu'est-ce qu'il fout? Tu te crois où ici? T'es pas chez ta mère, qui est la mienne, mais. Pas te faire faute. Bah, ton véhicule, il l'a chier là par contre. Quoi? Il est pas ouf ton véhicule. Ouais, il passe inaperçu. Il l'a chier. Sois pas jaloux comme ça. Bon, ma soeur, tu mets une tournée pour tout le monde. Allez, hein. Plus vite. Pas te faire foutre. Putain, tu te casses les couilles aujourd'hui. Parle mieux à ta soeur, wesh. Ah, prends le respect. Hein. Oh, n'oublie pas, c'est moi qui ai sorti en première. C'est moi ta grande soeur. Ça doit être ça, ça doit être ça. Ouais. Et fais pas le malin. À skip, hein. À skip, ok, vas-y. Attends, toi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux courir avec ça maintenant? Vas-y, j'arrive. Vas-y, ah non, dehors. Je dois faire une tournée. Ah, je te fais ce qu'il faut. Attends, je vais chercher en voiture. Avant de dire, c'est pas catholique. Bon, du coup, Willard, tu veux quoi? Comme d'un viking. Ok. Lucie? Un petit cocktail. Ok. Enfoiré? Clem, du coup, elle t'a demandé, tu voulais quoi? Non, je prends enfoiré, c'était toi. Ah, oui. Salut. Non, blagone. Je sais pas si on a ça. Ah, mais tu casses les couilles! Mais putain, ici, t'es au Bahamas, troufion! Bah, t'as pas un cocktail Bahamas? Oui, encore. Mais si, j'ai un cocktail Bahamas. Vas-y, mets un cocktail Bahamas. Vas-y. Et dépêche-toi. En même temps, on va pas avoir le cocktail unicorne. Encore heureux, je l'ai pas, celui-là. Fais-moi un jus de pomme, s'il te plaît. Ok. Non, tu prends de l'alcool, s'il te plaît, fais pas chier. Monsieur l'agent? Un rhum. J'avais pas vu, il y a notre ami 07. 0, 0. Comment 7. Tu vas? Bon, ça va, tranquille. Alhamdoulilah, comme on dit chez moi. Ça se passe bien les affaires sinon, 07? Bon, ça va. Y'a pas trop de petits cons à attraper? Bah, à part ceux qui font des supérettes en caddie de golf, non? Des supérettes en caddie de golf? Je vous mets tout sur le plateau. C'est qui ça? C'est quoi le projet en fait? Vas-y, mets tout sur le plateau, allez. Ouais, je vais mettre ta mère sur le plateau aussi. Oh putain. Alors quoi? Oh, ça partit en octogone. Il va y avoir assez de plateau, je pense. Quoi? Mais t'es con quoi? On a la même mère, putain. Va te faire foutre. Ah. Toi, tu viens, toi. Je me fais porter. Salut tout le monde. Je vais te noyer. Mais non. Je vais te noyer. Je veux dire, il n'y a pas d'eau ici, mais en fait... Ah. Peut-être moi qui lui a donné l'idée. Je l'ai porté dans l'eau comme ça l'autre jour. Il faisait super froid, on a failli mourir. Je crois que ça l'a traumatisé un peu. T'as dû perturber aussi un petit peu, je pense. Du coup, tu vas rencontrer ton beau-frère mercredi. Non, pas le beau-frère. Non. J'en ai déjà eu assez. Quoi? Mais t'en as eu qu'un? C'est déjà trop. À vous, tu préfères lequel entre les deux? J'ai pas de mytho, oublié que je lui ai pas trop parlé et Viper, j'ai failli lui en coller une donc. Oui, bon, du coup, oui, c'est vrai que. Voilà quoi. Oui. BCSE, c'était pas très sympa avant. Bon, on va voir si elle est speedy, tu t'entends bien avec? Putain, franchement, une multiprise la meuf, elle prend que des forces de l'eau. Elle est speedy, et surtout 07, c'est trop chiant lui. Lélé, va voir sur Instagram. Ah, génial. Non, je rigole. Alors attends, je fais vite la facture à l'autre trou de cul, et vas-y, après j'ai... Fais la facture à l'autre trou de cul. À l'autre trou de cul, une fois. Ah non, mais je parle du nez, alors mon accent il ressort deux fois plus. Ah oui, Ah ouais, t'es méco été. T'es méco été, elle fait chier, hein. Attends, parce qu'en plus je dois calculer, ça c'est la même. Du coup, t'es pas ventriloque, t'es néviloque. Oh, mais fais une facture à 2000 et casse pas les couilles. Hein. Ça y est, il a de l'oseille, il a gagné une voiture à 200k. Ouais, je te jure. S'il te plaît. J'ai oublié de faire les jetons d'ailleurs. T'as comment débouché un nez, bordel de merde? D'échanger les jetons. T'as déjà essayé avec une ventouse?
putain. Une ventouse. Putain, j'ai pas de message, c'est chiant. Oh, c'est chiant ça. Mais oui, il est pas là. Il est où, Black? Il est pas là, il est en vacances. Ah. Il revient quand, ces vacances de merde là? Mercredi, normalement. Attends, mais il est où le plateau là? Moi j'ai pas eu à boire. Je t'ai dit. Mercredi, tu sais ce que je t'ai dit? Mercredi, non, j'aurai pas de frère. Enfin, de beau frère ou je sais pas quoi. Et si tu feras des présentations, je dirais bonjour, voici mon jumeau. Lâche. Frère de Féfé. Bon, prends deux, il y en a un autre. Ouais, frère. Tu diras, je me présente, je m'appelle Scotty. Qui c'est qui m'a donné un viking? Oh, c'est peut-être moi qui te l'ai donné, mais vas-y, bois. Et... mais il est où le rhum? Tu l'as eu? Ouais, le rhum, c'est bon, je l'ai pris. Ah. T'inquiète, bois le viking aussi, c'est pas mal. Hop là, ça boit sa mère. F21, il est pas là? Si, il est là, il est là. Si, il va arriver. Il m'a dit, il arrive. Je le plaque au sol. Pourquoi, je sais pas. Oui, ça doit être ça. Plaque tout le monde au sol, moi, c'est grave. Je t'en mets une, moi, si je veux. Attends, je vais... Il y a bien quoi, mais non, il y a une différence avec Lucas. Demain, on fait match, je crois. Je saute pas sur tout ce qui bouge. Bon. Je suis pas sûr. C'est vrai. Arrêtez de me prendre, putain, pour une meuf facile, s'il vous plaît. Viens, dépêche-toi. Bah après tu peux pas dire ça et dire ton surnom c'est multiplié. Oh viens au Bahamas. C'est pas cohérent. Je m'en fous si t'es avec elle. Viens au Bahamas. Scott. Avec qui? Quoi? Elle est là? Ah mais viens, fais-moi la présentation. Hein? Ah mais putain. Mais... est-ce que j'ai l'air d'avoir ici? Ah mais quand elle a fini sa sieste, tu lui dis viens au Bahamas rencontrer ma sœur. Olivia! Ok. Oh putain. Non, promis, je ne sortirai pas le couteau, je te l'ai dit. Mais elle va ramener Olivia. Sauf si elle pécho. Là, non. Elle va ramener Olivia, sa mère. Oui, moi aussi. Allez. À tout elle à l'heure. Elle va ramener de la meuf qui pécho toutes les soirées. Je pécho pas toutes. Tu sais combien j'ai pécho? Mais c'est pas toi qui pécho toutes les soirées, c'est Olivia. J'allais dire. J'ai pas pécho beaucoup, moi, depuis le temps que je suis là. Mais arrête, mais c'est vrai, putain, tu prends... Salut Lucas. Et du coup, c'est bien parce que avec avec Olivia, tu pourras monter un groupe de multiprise. Ok, vous faites les malins. Vous savez, je suis là, je suis arrivé en ville en 7 ans, d'accord? Oui. Non, en vrai, j'ai pécho beaucoup quand même. Tu vois, en même temps qu'elle réfléchissait pour se trouver un truc, elle a fait ah, putain, non, en fait, non. Elle a réalisé dans sa tête qu'il y a un an. Non, mais non, en vrai, j'ai pas pécho beaucoup. Menteuse. Mais c'est vrai, t'abuses, toi. Menteuse. J'ai pécho deux filles, mais en mode rigolade, et j'ai pécho Viper, c'est tout. C'est déjà trop. Vrai, moi, j'ai pécho personne. T'as dit quoi? Qui a dit quoi? Mais je sais pas, j'ai entendu quelqu'un, non? Ouais, okay, c'est bon, Lucas, je crois. C'est quoi Lucas? Il a des problèmes de gorge. Okay. En vrai, j'ai pêché aux deux meufs, mais pour rire. Il a une chatte dans la gorge. Il y a une chatte dans la gorge? Ouais. Ouais, putain, pas mal ça. Je vous jure, tout le monde me traite de multiprise à cause de Nario. Multiprise? Bah non, en c'est vrai, à cause. Enfin, c'est à cause de moi en soi, mais vas-y, on va rien dire. Oui, c'est, non, vrai, c'est de la faute de Nario, c'est vraiment un enculé. Va te faire foutre toi. Ah non, Clem, t'abuses, putain, la photo. J'ai des trous. Bah, forcé de faire piner. Ah, le bâtard. Va te faire foutre, putain. L'amour fou entre frères et sœurs. Bah, c'est surtout que moi, je peux pas me tacler par rapport à ça. Bah ouais, je suis dans la merde. Ouais. Tu vois, il y a quelqu'un qui est sage et l'autre qui est pas sage. Ouais, bah t'es l'ange et je suis le démon. Oui, non, je suis pas sûr non plus, parce que t'as peur de faire du mal à je sais pas quoi, une fourmi. Il y a une multiprise, il y a une prise murale. C'est ça. Comment ça? Comment ça? Attends, c'est comment ça comment encore multiprise? Juste parce que j'avais beaucoup de DM Insta, je crois. T'as tout compris. Voilà, tu vois, donc en vrai, je suis pas une multiprise. C'est juste mes DM Insta qui sont multiprise. Et en vrai, à coup, je me suis mis avec Viper, j'ai plus tout ça. Je ne sois plus avec Viper, ça a recommencé, bien sûr. Viper, c'est un enculé. C'est vrai. J'ai il m'a abandonné.
Ça, je m'en voulais que. Travailler. Ok. Travailler. Bon, je l'ai très vite oublié, on va dire. Bon, allez, des bisous, on y va. Oui, des bisous. 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 Salut. Léona la grognasse. Elle vient de me dire ta mère la pute. Vous avez la même mère. Bah oui, c'est ça le problème. Bon, on fait quoi, ta moto ou ma voiture? Ta voiture. Ouais, c'est parti. Tu sais que j'ai toujours mal à la jambe, mais il y a toujours pas de MS. Oh, t'inquiète, on va demander au monsieur. Ouais, non, j'ai pas envie de payer 2000. Ah, t'inquiète. Là-bas. Ah, c'est ça, là-bas. T'as failli te faire écraser. Ouais, j'ai vu. Allez, c'est parti. Bon, attends, je reprends ça sur moi. Elle appelle Angelo. Pourquoi t'appelles Angelo? De quoi? Non, je parle radio, t'inquiète. Ah. Avec mon groupe très légal. Quoi, elle t'a pris à part d'ailleurs, Léona? Oh, pour rien, t'inquiète. On va faire genre, je comprends pas parce que. Vas-y. pourquoi tu me demandes si je suis occupé, Teddy? Alors. Là, oui, je suis occupé. Toujours faire des affaires pas très légales, c'est chiant ça. Aïe aïe aïe. Bien habillé toi en tout cas. Hein. Bah pour le Bahamas, ouais, il faut. Bon. Moi je vais en calmar, c'est beau hein. Et on peut retourner au Bahamas, j'ai oublié ma veste là-bas. Aïe aïe aïe. J'ai froid. Bon, j'espère juste qu'il n'y a pas de flics. Vas-y, je t'attends. Alors, genre, c'est les vestiaires ici. Hop. Voilà, j'ai moins froid. La prochaine fois, tu t'éviteras de l'oublier. Qui est mon gueule, hein? Oula. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Qui monte une poubelle qui passe à fond, c'est n'importe quoi. Faut que je trouve comment on va jusqu'au panneau. Jusqu'au panneau. Ouais, le panneau. T'inquiète, je me suis compris. Ah, le panneau. Ouais, le panneau. Ouais. Attends, je regarde.
Alors avant je savais, mais je sais plus depuis qu'il y a eu la mise à jour de mon GPS. Vas-y, t'inquiète, ça va. On va se mettre là-dedans. Ah, il est où ce panneau de merde? Elle est là, je crois, quelque part. Attends. Il y en a, il est trop con, Ah, t'es d'âge bégay, moi. Il arrive à rien comprendre en radio. Ah. Alors, faut lui péter 3-4 fois pour qu'il comprenne. C'est hyper chiant. Pourquoi tu dois aller aux Bahamas? Oui, mais elle t'avait demandé de venir avec Olivia, non? Bah, prends Olivia avec toi alors. Coco, le jeu de faire un truc, il l'a fait directement. je me suis trompé d'endroit. C'est pas grave, on va bien trouver. Bon, bah, ouais, un jour. Hein. Au pire, on retourne au lac et tu me reprends dans l'eau, ça. Ça t'a vraiment traumatisé. Hein. Il fait froid. C'est de l'eau, il fait froid, donc oui. Il est où le panneau encore? Je sais plus. Attends. Peut-être de l'autre côté. Au pire, sa mère, on se balade, c'est déjà bien. Ouais. Sinon ça avance ton autre musique? Bah pas trop parce que là c'était Noël donc j'ai rien foutu. Ouais, et tu crois que tu vas la poster quand? Je sais pas du tout, faut que je l'enregistre d'abord. C'est vrai que ce serait bien de l'enregistrer avant de la poster, ouais, quoi. Parce que là j'ai juste les images du clip. Bah c'est déjà ça, c'est déjà une partie. Ouais, c'est déjà une partie. Bon, attends, je vais peut-être trouver le chemin. Par contre, elle allait plus vite avant ma voiture. Là, elle a du mal. Ouais, on va aller par là. Bon. Espérons que c'est pas des chemins boueux, sinon on doit faire ça à pied. Je reviens à la voiture de ma patte, ma mamie. Terrible. C'est pas moi qui l'a. Hein. Je suis passagère seulement. Bon, on va aller doucement. Le voilà, le panneau de merde. Mmh. Est-ce qu'il est beau? Juste faire attention à pas trop, ce serait bien. Mais en attendant, j'en appelle du Red. Red Mécanique, bonjour. Ouais, je fais. Ah non, je fais pas les voitures. Non, vraiment, je suis désolé, je peux pas aller faire la voiture.
Tu veux que je t'envoie quelqu'un du Belize? J'aime Attends, trop je vais sa essayer tenue. de... Bah, au pire, va chez Teddy. Il a Tu pas te le temps, il a pas le temps. C'est trouves juste pour aller avec mettre Olivia, il a le temps. un gilet Là, c'est son travail. oversize. Attends, je vais l'appeler et je te rappelle après. Aïe, 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 putain, des gens qui pensent à leur gueule, ça me casse les couilles. Oui. Teddy! Tu vas travailler! Mes oreilles. Désolé. Va travailler, il y a Andrés qui a besoin de toi. Ah, non, tu dois juste date Olivia. S'il faut, tu prends Olivia avec toi, comme ça tu te balades avec, tu la prends sur la route et tu papotes. Pourquoi t'as plus de véhicule? T'as fait quoi? Et t'es où là? Alors tu demandes la voiture de Léona à côté. Il n'y a personne qui conduit enfin pire qu'elle du coup, donc bien sûr qu'elle va dire oui. Au pire tu peux lui faire une répa gratuite, c'est toi qui la casse, hein, tu sais. Voilà, donc maintenant tu prends Olivia avec toi s'il faut. Tu demandes la voiture de Léona, si elle te dit non, tu dis que c'est Scott qui demande. Et si elle dit toujours non, bah, tu lui mets un couteau sous la gorge et tu lui demandes sa voiture. Mais je m'en bats les couilles, tu prends sa voiture et tu vas travailler. T'as dit c'est pas mon problème, il y a Andrés qui t'attend, tu vas travailler. Tu vas travailler, il y a Andrés qui a besoin de toi. Tu demandes la voiture de Léona et tu vas travailler. Dis-toi que ton... Non, non, c'est pas bon. Dis-toi que ton autose là. Ton autose, tu l'as depuis combien de jours exactement? Deux jours et tu me dis que tu vas pas aller travailler, tu te fous de ma gueule ou... Non, je m'en fous, tu prends la voiture d'Eleona, tu prends d'abord Olivia, tu vas au Toz, tu fais ton travail et après tu parleras avec Léona et avec Olivia, mais d'abord tu taffes. Elle va attendre, c'est pas un problème. Elle est très fatiguée, mais elle va attendre. Donc tu prends sa voiture et tu te casses travailler. Allez, dépêche-toi. Putain, casse les couilles. Bon, attends, je rappelle André 2 secondes et après c'est bon. Il est occupé, cet enculé. Attends. Ah, c'est bon, j'ai envoyé un message. Ah, elle est plus de téléphone maintenant, ça me casse les couilles. Pas tombé, hein. D'ailleurs, faut que t'ailles à l'hôpital, toi, j'ai oublié. Ouais, mais c'est toujours pas ouvert. Bon, attends. Oui, mais t'inquiète, c'est pas grave, on demandera au monsieur. Et au Mais pire, tu payes si monsieur. vraiment. De quoi? Monsieur va me faire payer bonbon. T'inquiète, je te donnerai. C'est un petit peu dangereux. Hein. En talon surtout, ouais. Attends. Je suis en train de prendre les radios, j'essaie de comprendre ce qu'il dit. Ok. Oh, pas grave. Bah attends, on va aller à l'hôpital. C'est parti. Parti, let's go. Tu vas chanter une musique avec ça ou quoi? Non, je vais m'arrêter là. Bon, tu peux chanter hein, s'il faut. Si tu veux, je te mets une petite prod ou quoi, ou tu mets et tu chantes. Non, non.
Bah pourquoi pas? Tu chantes bien donc je vois pas pourquoi tu pourrais pas. Oula. Entendu un truc en radio, c'était pas ouf. Ah. Du genre explosion. Ah. Oui. Non, c'est pas ouf quand on entend ça en général. Ouais, c'est assez bizarre. Comment ça, explosion en fait? Okay, elle m'a dit, t'inquiète. Ouais, ok. C'est vraiment pour ça ou vous me prenez pour un con là? Mais pourquoi vous explosez des choses? T'es vénère. Encore à cause d'hier. T'as le cœur brisé. Pourquoi? Ok, mais faut pas trop te prendre la tête pour ça, ça va aller, il faut juste laisser du temps et c'est bon. Oh, j'ai eu les filles, c'est vraiment quelque chose, hein. Elle veut faire exploser toute la ville parce qu'il y a son frère qui est un peu parti en couille hier, on va dire. D'accord. Ouais, très rassurant ça. Si j'explose des villes quand je suis upset, c'est tout à fait normal. La guerre, pas mieux. Ah, pas tant. Cadeau. Merci. T'inquiète. Attends, c'est quoi la voiture qu'il y a? Bonjour. Holistic Healing with Crystal. Ah, c'est pas rassurant de voir ça dans un hôpital qui veulent te heal avec des cristals. Hop, on n'oublie pas la petite orange. Et de se perdre dans l'hôpital. Comme d'habitude, bien sûr. Oh, ça va, c'est là-bas. Ouais, on m'a enfin donné du paracétamol. J'en ai en voiture en plus, je pense. On s'est fait chier pour rien, tu me dis là? De quoi? Si t'en avais, on s'est fait chier pour rien. Un peu, ouais. Super. Bon, c'est pas grave. Je sais même pas si c'est dans celle-là. Non, dans celle-là, j'ai rien. Je sais plus c'est laquelle. Bonne question. On va aller changer de voiture d'ailleurs. Ouais. Attends, il y a des problèmes. Non, attends. Maintenant, tu veux. Non, wesh. Hey, c'est quoi ce truc de merde? Voilà. Voilà. Un peu un galérien ici. Ah, les clés électroniques, c'est plus ce que c'était, hein. Ah, ça a chier, ces trucs de merde. Hein. Ouais.
Mais du coup, ça va en fait, t'as pas trop galéré pour la fourrière du Nord là? Bah, j'ai cherché une porte de garage quand tu me l'as dit et j'ai trouvé. Ah bah carré, ça va alors. Voilà. Je suis utile en fait, hein. Trop. De quoi? Trop. Ouais, je sais bien, je sais bien. Ah, faut pas que je dise ça après, je vais faire monter ton écho. Bon, le problème c'est qu'il est déjà trop là. Faut que je fasse redescendre. Ça c'est pas très sympa ça. Faut que je t'en mette dans le lac, c'est ça? Je rigole. C'est bien ce qui me semblait. Oh, y a un Père Noël, je crois. Elle est chiante cette voiture, elle tient pas la route. Bon, on va retourner au Bahamas en vrai, non? Ouais, si tu veux. Vas-y, hop, attends. On va juste changer de voiture et après on y va. Tu roules à 150 sur une zone limitée à 50. T'as rien vu. Wow. T'aimes bien ou pas? Quoi? Ouais. T'aimes pas? C'est simple quoi. Ah, attends. Est-ce que celle-là t'aimes bien? Ouais, celle-là elle est pas mal. Alors il y a celle d'hier qu'on a fait au Toys. Ah oh ouais, celle d'hier. C'est sûr. Celle-là. Oh trop bien. Ma voiture. Tu veux la conduire? Non, je préfère pas. La voiture mais tu veux pas la conduire? Je veux pas. Je veux pas l'abîmer, elle est trop belle. Ouais. Bah, c'est dommage, hein. C'est une belle voiture pour toi. À conduire. Après, si tu me la donnes, je ferai l'effort de la conduire, tu vois. Mais tu veux vraiment que je te la donne, c'est grave. Hein. Aïe. Aïe. Bah bravo. Je fais pas d'accident. Ouais. J'ai vu ça. Vas-y, putain, casse les couilles. Non mais c'est la madame, elle a tourné comme une conne. Il était où le clignotant, hein? Moi j'en ai pas besoin parce que je suis un pro, mais eux ils en ont besoin. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, je suis pas un pro. On a fait combien d'accidents hier déjà? Assume. Hier, on n'a pas fait d'accident, je vois pas de quoi tu parles. Ça va, je me suis rattrapé avec la course poursuite, non? Ouais, après c'était pas très fort. Non mais normal, c'est y a que des clampins chez les à la LSPD. Elle est lente en arrière. Un petit peu, ouais. Ça va, comme ça, à cette vitesse-là, tu pourras pas te blesser, toi. Comment ça, moi? Comme s'il y avait que moi qui faisais des accidents, tu sais. Bah franchement, oui, y'a que toi, moi je fais jamais d'accident. Ouais. Je devrais te filmer, en fait, à chaque fois que tu conduis. Non, non, vaut mieux pas. Que pendant les courses poursuites que je réussis, mais pas les autres. Bon. C'est de la triche, elle a une plus grosse voiture que moi. C'est pas la taille qui compte. Tu vois? Ah ouais. La preuve.
Pas mal ça. Connard, il m'a coupé la route. Oh putain, mais c'est Willard. J'ai failli me prendre un poteau. On a rien vu. Non, mais non, je sais jamais d'accident, on voit rien. Vas-y, qu'est-ce qu'elle fout là, la poubelle? Non, mon moteur il va encore, wesh. Pas normal ça. Ah, bah putain, allez. Hop. Voilà, putain, c'est pas trop dur. Même un moteur, je sais plus éteindre. Tu vois à quel point il est haut mon niveau en conduite? Il est haut comme ça. Ouais, en effet, ouais. Il connasse. Pourquoi il est par terre, lui? Il fait dodo, t'inquiète. Ça va, monsieur? Il regarde les étoiles. Je crois qu'il a trop bu. Ouais, possible. Ah, mais y'a Monsieur Gray. Oh, ah non. Ouais, je suis dans le. Juste un peu plus explicite, c'est différent. Y'a ton frangin, il est en train de bouder là derrière le bar. De quoi, y'a quoi? Ton frangin, il est en train de bouder derrière le bar. Mon frangin? 44, j'ai encore envie de te plaquer aussi. Lui, là, juste lui, pour ce que t'as dit. Pause. Toi, t'es parti travailler. Oh merde. Mais. Il a marché sur tout le monde, il a rien respecté. T'es ouais. Parti travailler. Oui. T'es parti travailler. Oui. Est-ce qu'il est parti travailler? Bah oui. Il a pris ta voiture revenu. Bah oui. Et lui, où sa femme? Sa femme, elle arrive. Mais je l'aime déjà pas. Pourquoi? Bah, je sais pas, je l'aime pas. Ah, pas mal ça. Moi, tu m'aimes bien, moi. Quand tu malheureusement, fais chier, c'est ton. C'est son père. Je suis jamais chier, moi. Mais pourquoi il se cache, ce clampin? Qui a sa femme qui arrive? Il est en train de voler du sopalin. Et hop! Je peux avoir mon jeu d'actrice. Mais frère, est-ce que je. Oh, attends, je l'attends devant. Ouais, tu veux quoi? Un truc fort. Vas-y, mets-lui un saké de ma part. Non, pas de saké par contre. Bah, vous avez demandé un truc fort. Oui, pas fort à ce point-là, j'ai pas envie de finir. Ah, il faut comprendre. Tu demandes un whisky? Whisky. Allez, whisky, c'est parti. J'ai pas envie de finir par terre dans la rue. Oui, pourquoi pas, il y a bien Teddy qui se met par terre. Qui, quoi? Il y a bien Teddy qui se met par terre parce qu'il a peur de sa femme. Non, mais je dis pas que t'as peur d'elle quand même, il est où lui? Je sais pas, il est parti se cacher. Il est dehors, il l'attend. Il l'attend en plus, putain. Oh, Léona, tu mets la facture. Sur ouais. Le plateau. Tu dois combien? Tu dois 0, tu dois 0. Mais est-ce que ça partir sur. C'est pas bien, faut être gentil avec les gens, franchement. Léona, ta gueule. Alors attends, tu sais quoi, ça, c'est 0 alors, ça me plaît pas. Mais. Qu'est-ce qu'il fait? Cet individu est bizarre. Oui. Ouais, il est bizarre. Mais Gré, bois! Je bois quand j'ai envie de boire. Mais tu viens de payer. Enfin, je viens de te payer un truc et tu bois pas. Mais si, attends. Ah! Mais qu'est-ce qu'il a mis au sol chez moi? T'inquiète, c'est des capotes, t'inquiète. Mais pourquoi tu mets de l'argent? Il a déposé 1000 dollars sans culer. Mais reprends ton argent. Non. Ah bah il restera là. Bah, non attends, il va le reprendre. Il va le reprendre, moi je te le dis. Parce que le Bahamas m'a beaucoup aidé dans ma vie, donc non. Ah bon. Cadeau. 07 et Clem, vous savez reculer un petit peu s'il vous plaît? Si vous reculez, ça va pas faire. Ok. 07 s'il te plaît. Bah ok. C'est pas un problème. J'ai donné un par un. J'ai donné. Non.
Alors, je sais pas en quoi je l'ai aidé parce que je suis trois fois plus folle que lui, mais c'est pas grave. Web. Ouais, tu m'as appelé. Ouais, tu fais quoi? Oui, ici, laisse-moi. Et qu'est-ce qu'il fait? Tu restes là? Oh, c'est lui, tu la fabriques, la voiture. Ouais, ok, nickel. Vas-y. Mais il est chiant, ce... Tu l'as vu dans sa voiture? Vas-y. Allez, à tout de suite. À tout. Tu vas arrêter de courir partout. Voilà. Apparemment, il m'a dit j'ai acheté une nouvelle voiture, il m'a dit une dinguerie. Il a racheté une voiture? Ouais, il m'a dit sors, tu vas voir, tu vas halluciner. Allez, on sort tout ça. Eh, il est chiant celui-là. Tiens, c'est rien que je sors, je viens de la faire là. C'est pas avant-hier, il est en train de nous dire qu'il a. Tiens, c'est son verre. Il est chiant, j'arrive pas à le faire payer. Je sais pas si lui rendre tout son argent. Léona, oui. Mets à boire s'il te plaît. Vous voulez quoi? Comme tout à l'heure. Ou tantôt comme on dit. Tantôt. Oui, comme tout à l'heure. Tantôt. oui. Eh, ta mémoire de merde. C'est horrible. Attends, je crois que j'ai raison. Vas-y, vas-y, on va voir. On va voir si elle avait raison. T'as plus ou moins raison. Je sais plus. Là, je te laisse prendre. Moi j'ai pris un Bahamas de base. Mais vas-y, pas grave, mets-moi la facture. Ah oui. Et tu rajoutes un zéro. Tu fais le Jackie maintenant? Bah écoute, Jackie ouais. Ouais, mais Jackie il est plus là donc. Oui, Jackie, le pauvre. Mais ouais, du coup. Mais. Hey. Quoi, il se cache derrière une plante, cet enculé? C'est grave d'avoir peur de sa femme. Il sait qu'il est visible ou pas? Vas-y. Non. Mais Teddy, pourquoi tu te caches d'elle? Putain, je vais vraiment sortir le couteau et la planter, ça continue. Va t'aider dans le mur. À notre whisky parce que j'ai vu une voiture dégueulasse. Laquelle? Tu verras dehors. Je vais juger. Vas-y, j'arrive, je vais juger. Oh putain. La bleue. Bah non, mais la bleue est. Ça, c'est à qui ça? Ça, c'est à moi. Bah, excuse-moi, hein, si je peux me permettre. Je peux me permettre ou pas? Ça dépend. C'est horrible. M'en fous. C'est moche, y'a trop de couleurs. Elle est où? C'est pas fou, ouais. J'avoue. Elle est où la voiture? C'est laquelle? Non, ça. Ça, j'aurais dû venir avec la comète. Ouh. Là-bas. Y'a tout le monde qui fait des voitures moches, c'est grave. À part Willard, il fait des belles voitures. Ah, tu vas te calmer, c'est moi qui fais la custom. Bah, justement, c'est pour ça que je dis que c'est moche. Ah, ça va? Tout va bien. Ah, il fait un petit peu froid par terre, hein, chef. Non, non, t'inquiète. Ah, bah, attends, reste là. Mais. Putain, espèce d'handicap. Putain! Ah! Oh le nom de Dieu! Espèce de fils de. Il vient de me pisser tout le. On fait pas ça à sa sœur! Attends, je vais le plaquer au sol. Qu'il est. Il est passé où? Il est parti se cacher là-bas, il croit qu'il est invisible. Ah mais... Putain! On va encore finir aux EMS, ça. Attends, tu peux me brosser la manger, s'il te plaît, ma soul. Urgence. Regarde, du coup. Je sais même pas où il est. Et du coup, il y a personne qui met de la musique, là, vu qu'il n'y a pas de Blake, c'est bon. Il y a de la musique. Bah je l'ai pas, putain. Eh ouais. Ouais, y'a un fond de musique. Tiens. Faut que peut-être la... La blondette. Ouais, c'est ça. Je t'ai mis sur le bateau. Il est où, 44? C'est ma zone. Non, rien. Je paye pas. Pardon. Pas fait exprès.
Mais tant pis, t'as pris pour Scott. J'ai mal au crâne. Hein. Assume. J'ai mal au crâne. Hein. Je pense pas que c'est moi qui vous tape. Mal au crâne. Que je t'en mets une aussi. Mets-moi en une, je sors le couteau. T'as pas les femmes, t'es dit. Moi je vais essayer de sortir autre chose, mais. Ouais, ben j'ai autre chose aussi. Très vite, tenu. Mettre une balle ou ce que je prends. J'ai besoin de faire des ghosts. Bon, ben si tu fais des ghosts avec elle. Moi bah, je vais pas être bon, quoi. Ah, t'es saoul. Bah ouais. S'il te plaît. C'est pas bien, je suis vraiment méchant. 44, il a raison. Tu veux que je te refrappe? Oui, bah oui, en même temps, tu m'as donné une grosse tarte. J'ai pas fait exprès. Et j'ai un traumatisme crânien. Bon. Tu sais déjà ce que t'as là-bas. Oula, ça va mal finir. Hein. Vas-y, viens, viens. Vas-y, top. Vas-y, viens. Vas-y. Je suis vraiment né dans une famille con. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y. Ose. Non, je t'attends, moi. T'as pas, mais je plaque. Aïe, ah, elle est partie dormir. Au duc. Donc je la prends pour rien, là, en gros. Pardon. J'ai chopé, hein. Elle est chiante. Je dis pas, je t'aime. Ah putain. Trou du cul, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Fais pas la folle, hein. Toi, fais pas le fou. Sinon, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis à ça, t'en remettre une autre. Hein. Non. Essaye seulement. Ah ouais? Non! Aïe! Aïe! Putain! Aïe, Quel enculé! Avec ta veste léopard là, gris! Je me suis fait saper par un sapeur. Ouais, faut un peu écouter un petit peu, mais. Vraiment pas drôle, donc j'aime pas. Ambiance chaussures croco. En gros, on a des cocktails ou alors suivant, on a le cocktail du Bahamas. Vas-y. Chaussures croco, manteau léopard. Rien qui va. Tu disais Léona, Léona. Ça avance bien. Il faut écouter les cocktails de Teddy. Attendez, parce que. Ouais. Mais là, c'est un peu la merde parce que tu connais la situation. Léona, je t'ai vu, je vais t'niquer. Connasse. Je te l'ai mis sur le plateau. T'as été lavé ton visage d'ailleurs. Pas de faire foutre, putain, tu m'emmerdes. Je vois pas de ce que tu parles. Non, fais-la moi la facture. Factoul. Pourquoi y'a un chien dans le Bahamas? Ah non, 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 me sortez pas. Putain, Léona, va au panier. Bâtard. Je vais l'enculer lui un jour. Ah, elle a décidé de ça. Oui. Moi, je vais pas sortir mes animaux, tout le monde dit qu'ils sont moches. Alors, mais normal, t'as déjà vu ta tronche. Je vais pas te faire foutre, putain, j'en ai marre de lui. Ah oui, ah merde. Bon, apparemment j'ai plus d'animaux. Qu'est-ce que t'as foutu toi? Aïe! Putain, c'est... il est dur le sol. Oh Dieu, c'est quoi ça? Il a balayé dans le cul. C'est qui? Mais il va où? Bah, je ne sais pas. C'est qui ça? Teddy, mets-lui une patate. Vas-y. Y'a qui le chien là?
Ah, c'est à toi. Non, le mien je l'ai. Ça j'ai chaud, bah. Attendez, j'arrive. C'est le mien. Je peux venir avec un. Même si je vais te mettre une patate. Tu vas voir si tu vas en mettre une. Y'a quoi? Y'a quoi toi? Y'a quoi hein? Y'a que je vais t'en mettre une? Non, non. Un petit peu trop la folie ici. Hein. Hola tout le monde! Hola! Vous êtes même pas présenté. Toi, tu t'appelles comment, Ramana? Chef, j'ai déjà répondu à trois de tes questions. Mais tu t'appelles comment? C'est quoi? C'est une garde à vue ou... Ouais, t'es en garde à vue, là. C'est une dinguerie. Mais c'était quoi les questions que t'as répondu? Parce que ce que j'entends, il pose des questions un peu connes, quoi. Oui. Apparemment, que je fais ici? Ah, j'ai dit, tu fais quoi, là? Je suis venu en boîte de nuit. Vous allez rester toute la soirée à me regarder comme ça? Et t'es trop fraîche aussi. Je suis pas ce point-là, moi. C'est vrai que tu dis ça à ta chica, pas à moi. Alors, on disait. Non, mais t'inquiète, je retiens la tarte, t'inquiète. Tu veux que je te paye un verre? Non, pas besoin. La draguer ta chica, je vous paye un verre. Mais je paye déjà assez de verre, t'inquiète. Du coup, tu veux quoi? C'est comme ça que tu vas la mettre dans ton lit? Y'a pas de ça, y'a pas de ça. Tu veux quoi du coup? Fais attention, à tout moment, il va te mettre des trucs dans ton verre. Allez. Voilà. Et con ce mec. Vas-y, tu peux lui parler si tu es gentil. Fais pas attention à ce qu'il a dit, hein. Ouais, je vais tout oublier. Ouais, ce serait mieux, je crois. Non, je vais pas. Expliquer. Sauf que. Il a fait une crise. Blake ou canapé? Canapé, mais crise, ça ne va pas. Et parce que j'ai eu le malheur de lâcher. Non, c'est pas. Ah, le canapé, il a été utilisé. Avec. Tu vois, une personne, quoi. La vie de ma mère qui est sale. Oh, la vie de ma mère. Bonnasse. Et. Alors qu'il ne s'est jamais réappassé, mais tranquille. Et Apple. Du coup, menteuse. Il a dit on va changer le canapé. Bito. Et Fefe lui a dit tu changes pas le canapé parce que c'est du daim et il a coûté 50 000. Du coup, Blake était pas content et pour finir, Fefe a changé le canapé. Du coup, on a fait dodo avec Blake, mais en tout bien, tout honneur. Ouais, vas-y. En faisant autant que tu n'avais rien fait avec Viper, c'est exactement ce que t'es en train de dire. Quoi. Aïe, malaise. Non, mets-toi debout, sinon je viens de pisser dessus. Patron et Sofa, la Delta et la Qualita, et voilà. Je vous jure, c'est vrai. On... C'est pas ce qu'il nous a dit Blake. Hein. Break. Ouais, Break. Tiens, coup, c'était une voiture. Il s'est rien passé sur le canapé. C'est tout le maçon. Ouais, pas sur le canapé, mais attends. Léona, viens nous montrer la salle. Non. Viens nous montrer la salle, Léona. Non. Viens nous montrer la salle. Ah, j'ai perdu, merde, les clés. Aïe. Ah, ouais, mais t'inquiète, tu vas venir. Ah, j'ai perdu les clés. Non, mais je crois que t'as mis les clés. Hein. Léona, tu viens. Clem, tu n'as pas les clés. On Léona. Les a. Oh, Clem. Ça va, c'est bon, vous voulez voir mon bureau? Allez, venez. Alex, viens voir. Bon, venez tous voir, c'est drôle. Laissez-moi passer devant. Vous allez comprendre ce que. Non, tu vas enlever l'épreuve après. Chope la Scott. Non, t'inquiète pas, Jean. Elle aura pas le temps de tout cacher. Gendarmerie, pardon. Oh, un blin film de cul, hein. Oula. Avec la caméra, est-ce qu'on peut voir le contenu de la cassette, s'il vous plaît? Non. Ah mais non, elle est cassée. Oh ah. Merde. Non, elle marche. Il y a beaucoup de coïncidences. Elle est cassée, mon dieu. Je regarde bien Scott, avant qu'ils aillent dormir l'autre soir, j'ai tapé mes couilles. Attends.
Il y a une tache blanche là. Ouais, ouais, par contre, j'allais dire, il est neuf ouais, noir, mais on voit quand même que. Blake, il s'est pas visé, hein. Et là, vous êtes d'accord qu'il y a quand même. Attends, on va vérifier, plus toi de devant. Quand même, il y a des mouchons à côté là, regardez. Ouais, il y a des préservatifs, gars. Oh là 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 là. Qui sont déjà utilisés. On sait pas par qui, par contre. Moi non plus. Oh, qui veut faire une signature menteuse. Oula, si même toi, tu te rappelles plus qui t'a. Pardon. Si, si, elle sait très bien, elle sait très bien. Attends, alors... je ouh, un conseil, mais... touche pas la barre. Pourquoi? Putain, mais c'est la cousine à Jackie. Vas-y, touche à la barre. Vas-y, mais... danse, grognasse. Celle-là, okay. Elle a été utilisée plus qu'une barre de bus. Hein. Je te dirais pas par qui. Il y en a du fluide là-bas dessus. Ouais, t'inquiète pas, Nako. Bon allez, on sort d'ici, c'est trop bizarre. Mais ça pue, de toute façon. Quoi? Mais ça pue le musper. Regarde, c'est Léona quand elle était jeune. Ah, ouais, bah, t'as longtemps, alors. Je suis vieille. Oui. 73 ans, hein. Bah, quand t'écartes les jambes, mais attends, non, t'as quoi, t'as Queen, hein. Qui est dedans. Par contre, c'est quoi cette musique, là? C'est dans les vieilles casseroles qu'on fait les meilleures soupes, c'est ça qu'on dit? Je sais plus. Oui, c'est ça. Pas sûr. Hein. Léona, fais une tournée pour tout le monde. Ok. Oui, non, et il a poil. Alors, rien que tu fais des tournées, c'est toi. Bah, c'est ta mère que je t'en... Pardon? Ça va pas te dire ta mère, toi? Oh, t'as de la chance qu'elle a les speedy, hein, je te le dis. Hein. Je suis pas en service. Scott, tu veux quoi, du coup? Je suis pas prêt pour tout le monde. Ouais, mais je vais pas faire un meurtre au sein de... Lucie, je te mets quoi? Masse. Comme tout à l'heure. Elle, non, tu mets rien, elle m'a mis une tarte. Quoi? Elle a bien fait, ça va te remettre les idées à place. Tu veux que je t'en mette une? Clem, tu veux quoi? Tu sais que ça va partir, hein. Ah, vas-y, lance. Hein? Vas-y, essaye. Non, non. Putain, t'es sûr? Oh, attends, j'en appelle. 07. Oui. Oh, comment j'aimerais trop que tu perdes. Clem, va ouvrir le vestiaire, s'il te plaît. Quoi? T'inquiète, tu l'as dit, il va arriver. Va ouvrir le vestiaire, il y a quelqu'un qui est enfermé. Ah. Ils sont bien chiants en cage. Que je suis teubé, mais pas au point de pas connaître Roblas. Rassure-moi, ton gars, tu l'appelles pas 74. Ça dépend le contexte, je pense. Bah, y a les menottes. Toi, ça te démange d'en prendre une. Bah, alors, je crois que t'as pas de casier. Est-ce que tu veux aussi me taper? Bah, ouais, bien sûr. J'ai fait une fois, je referai. Ah bon? Ah bah voilà, pas eu besoin. Du coup, Alex. Allez! Scott, je vais devoir coucher par terre après une patate de Lucie. Attends, fais pas le fou non plus. Je viens de boire mon cocktail, calmez-vous là, j'ai pas envie d'être... Et alors, on en soirée... Léona, tu lui mets un truc. On en soirée. 21, tu vas boire. Ah non, Alex, désolé, Alex. Ouais, ouais. Oh, le prochain qui m'appelle 21, je le fais taser comme Pikachu. D'accord, 21. Des bisous, Nako, joyeux Noël. Vas-y, je t'autorise Taz dans le bar si tu veux. Teddy, t'es en PLS et qu'est-ce que tu fous en torse nu? Et ta sacoche pourrie là. Il attend sa femme, c'est comme ça qu'il l'a pécho. Oh là là. Il peut attendre comme ça, hein, parce qu'apparemment elle est partie se coucher. Hop là, on boit un petit peu. Elle est partie se coucher sans toi, aïe aïe aïe. Avec un autre. Moi non. Avec parce un autre. Il est pas là, donc je vais dormir toute seule cette nuit. C'est quoi le rapport avec la phrase d'avant? Je sais pas. Non, pas toi, il a de te fais peur avec tes gros muscles. Un ram, allez. Un ram. T'as passé un ram. Et moi une tequila. Qu'est-ce qu'il a vu? Pourquoi il y a une urne sur le bar? Tequila, Enken. Pas le temps de niaiser. J'ai pris la commande de tout le monde ou pas? Non, bah non, tu m'as pas demandé moi. Si, je t'ai demandé. Une urne funéraire, ton ah bon là. Du coup. Tu m'as rien demandé. C'est pas les mêmes, hein. Vas-y. Pas les mêmes budgets. Je parie 50 balles. Tu veux quoi? Tequila. Excusez-moi. Tequila. Tequila. Là. J'ai le plaqué, hein. Vas-y, ose. D'accord. Une bite pour Scott. Mais il va se faire foutre, hein. Il me répond pas. Aïe.
pour savoir. Mais arrête de m'appeler, t'es un putain. Bon, t'arrêtes. Non. Non. Sauvez-moi. Parce que c'est bien plus grand que ça. Hein. Elle t'appellera 69. Quel enfer! Aïe! Allez! Ça c'est fait. Mais c'est dans le plateau. Ça va? Y'a pas de rhum dans mon plateau. Sûr! Mais si. Et là, qu'on va se bouler la gueule. Ah non, autant pour moi. Je sais plus. Il faut encore te plaquer, hein. Ouais, moi, je peux encore te frapper. Ouais. Mais pourquoi tu frappes? Moi, je te frappe pas. Je sais. Ah, bah, ma chérie. Encore heureux? Sinon, quoi? Sinon, je te couche. On va faire le genre de ça, ouais. Ouais, c'est Scott qui ralasse. Facture au pif. Non, c'est Scott. C'est Scooter qui ralasse. Mais t'es con quoi, je t'ai dit, je te fais une facture au pif au niveau du prix. Oh, 2000. T'inquiète, c'est bientôt ce que je vais devoir payer pour aller à l'hôpital. Oh, c'est moins bien que de qui. D'ailleurs, j'ai même pas eu à boire, moi. Et, putain. Donne à boire. Le petit toucher ton plateau. Tu me vois, tu me vois plus. Tu me vois, tu me vois plus. Un truc à boire. Tu vois plus, tu me vois. Tu me vois, tu me vois plus. Un truc. T'as eu un truc à boire ou pas? Ah non. Bah prends un rhum. Il reste un rhum. Un rajout de rajout, ouais, mon copain. Attends, je rajoute. C'est un whisky, mais ça me va aussi. Eh, c'est pareil. Un rajout de rajout de rajout, mon copain. Voilà. Il est normal, tiens, non. Ah, Etienne, ah oui. Etienne. C'est qui Etienne? Ma soeur. Oula. Si sa soeur il s'appelle Etienne, y'a problème. Bah quoi, il est non-binaire, il a le droit, non? C'est tes cheveux qui sont non-binaires, fils de pute. Oh, dit-il alors qu'il a les cheveux rouges. Oh, mais ouais, moi je parle d'une autre citation, vous comprendrez. Hein, ouais. Les culs. Un 21. Allez, Alex, tu peux le taser s'il te plaît? Non, il est gentil, t'es dit. Alex, tase-le! Mais non, il est gentil, arrête! Alex, tase-le s'il te plaît! T'es dit, il est gentil, il est juste. Il est passage! À un moment, il en peut rien. Lui, il le tase, hein. Il est passage. Clem, je veux savoir ce que tu fais, tu me donnes le tour. Clem, je veux. Bah, j'exploite le virage du bar. Il me donne aussi le tournis. Je suis en train de faire des drifts. Oh, ta gueule de chien. Regarde, mais moi j'en veux pas. Oh, Léona. Là, t'arrives quoi? Flamme, hein. Léona, viens deux secondes. Mais putain, j'en ai marre. Tu Léona, viens. Bon, mercredi, on va faire une soirée de fils de putain. Et en plus, toi, t'as pas vu ma tenue? Non. Toi, t'as pas vu la mienne. Je me suis demandé, je me mets en quelle couleur, tu penses, Teddy? Toi qui me donnes de bons conseils. Ah, de rouge. Tu veux que je me mette en rouge aussi? C'est... T'es pas drôle. Tu crois qu'elle va comprendre? Putain. Allez, faut le corps, viens ici. Je vais t'enculer, tu vas voir que c'est drôle. Je laisse des taches de sang par c'est terre. On en parlait tout à l'heure avec Thaïlande, je pense qu'elle se donne l'air con, mais qu'elle tu est veux pas con. Me déposer? Allez, fous le camp, viens. Ça va pas? Elle fait genre qu'elle est conne, mais c'est pas non, vrai. Ça va pas. Qui ça? Alors, on va dire que j'ai un peu trop d'alcool dans le sang pour conduire. T'inquiète, c'est pas grave. Y'a pas de flic. Y'a aucun flic ici, de toute façon. Ouais, mais y'a ta vie en jeu, quoi. T'inquiète, c'est pas grave. Oh, putain, je perds du sang. On dirait que j'ai mes trucs de femme. Je crois qu'il y a un petit problème dans la matrice, c'est pas bon. Aussi toujours tu me tapes toi, je suis un enfant battu moi.
En même temps, tu parles mal à ta sœur. Non, j'ai pas mal parlé, j'ai pissé dessus. Mais c'est pire. Bon, allez, je te laisse conduire. Aïe aïe aïe, ça me tape, c'est pas sympa. Bon, j'espère juste qu'il n'y a pas le frein, moi. Si t'es marre la voiture. Attends, je mets le GPS. Ah, mais non, pas besoin. Ouais, il n'y a pas de frein, moi. Allez, fonce! Pas d'accident, hein. Ouais, ouais. Ah non, mais vraiment, hein. Ah, j'essaie de me concentrer. D'accord, je ferme ma gueule. Exactement, merci. Ça fait peur là. T'as contresens. Tout se passe bien. Non, t'as contresens. Ouais, mais y'a pas de voiture. Et alors? Va à gauche, non. Garde-toi là-bas à gauche. T'inquiète, vas-y, passe au travers de la route, vas-y. Pas dans le poteau. Vas-y, garde-toi là. Vas-y, c'est bon, on est bien là. Ah putain. T'as vu, je conduis bien. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Tu veux cette voiture pour conduire comme ça? Non, je conduirais mieux. Tu me fais pas confiance. Si, t'inquiète, je t'ai fait confiance. Je préfère lui parce que lui, c'est me soigner, toi, non. Allez, c'est parti, il va me soigner. Toi, tu sais même pas me soigner. J'espère que j'ai pas fait bug. Ça va mieux. C'est reparti. Qu'est-ce qu'il y a? Je comprends pas. Hein? Je comprends pas qu'est-ce qu'il y a. Attends deux secondes. Parce qu'il me casse les couilles en radio, parler pas fort. Hop. Bon, je voulais mettre mon fort, mais je me suis déco. Bon, c'est pas grave. Allez, c'est reparti. Non, vas-y, on rentre. T'as peur, hein? Moi, j'ai peur. Ouais, t'as peur. Tu viens pas de payer 2000 balles là? T'as peur? T'as peur? Tu me cherches, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tu crois que tu fais peur? Aïe! Mais putain! Aïe! Tu me cherches? T'as peur? Mais tu veux vraiment te retrouver encore à l'hôpital? Non, non. Ouais, c'est ce que je pensais, on va éviter. Au pire, y'a quoi? Bah au pire, tu vas finir par crever. Tu penses?
Bah, j'ai pas envie de te faire une commotion cérébrale. Bon, au pire. Allez. Allez, c'est parti, un petit câlin. C'est sa mère, tu m'as fait mal encore. C'est pas sympa en tout cas. C'est bon, je te mettrai de la pommade à la maison. Allez, c'est parti. N'a pas de maison. Comment ça, il manque un... Il s'est passé quoi avec le pare-choc? Il s'est repassé. Pas normal. Je vais encore aller me faire soigner en fait. Ah ouais? T'as déjà été à la salle? Non. Je voulais... N'y va pas. Pourquoi? Parce que tu vas mettre KO. Je voulais aller à la salle de la plage. Ouais. Mais je savais pas à qui fallait payer le ticket. Oh alors là, bonne question. Mais je te dirai pas parce que sinon tu vas mettre KO. J'ai pas envie de me retrouver par terre. Comme lui, tu vois. J'ai pas besoin de la salle pour faire du sport, hein. Pas faux, pas faux. J'en fais tous les matins. Ah ouais, tu fais... Mais pourquoi y a encore un chien? C'est à qui ce chien? Je sais pas, moi. Moi. Le mont Chibriade. Oh tiens, je suis là. Tu fais ce que tu veux. Léona? Oh putain, oui. Ah si, elle mets une tournée. Mais en fait, c'est. Mets une tournée. C'était Bahamas tournante ou. Oh, j'allais dire une dinguerie, mais par respect parce que t'as dit, je vais pas le. Ouais, bien sûr. C'est Léona qui tourne. Oh, sans la dire, je crois qu'on a tous compris. Aïe aïe aïe. T'es dit? Il parle radio, je suis plus radio. Merde, attends, j'ai mode radio, mais m'en sort. Ouais, d'accord, tu lui as parlé radio, il a répondu normal. Non, j'ai parlé normal, là, il a parlé radio. Ah. Parce que normalement, je suis vraiment radio. zéro de QI, lui, c'est un truc de ouf. Clem, ouais. Ah non, Clom, désolé. Sûr, il est au bananes. Ah, bon, c'est ta part. Hein. D'après ce que maman disait. Toi qui m'as poussé. C'est pas possible, j'étais pas là. Oh, Clôme, orange tes doigts. Tu vas te blesser. Tu le fais. Attends, je t'envoie un message parce que je sens que je vais t'insulter. Du coup, je vais te gentil par message. Vas-y, insulte-moi par message. Aujourd'hui, je suis venu pour niquer les mères. Donc, si t'étais là. Oui, mais. Ta gueule. Pas dire. J'étais à moitié là. T'étais dans la chatte à ta mère. Oh putain, je suis n'importe J'en ai marre aujourd'hui. Je m'en ai pas aujourd'hui. Veux-tu bien, j'en ai marre, une fuée? Quoi? Arrêtez, ça va, mon accent, il n'est pas si prononcé que ça. Ouais, un petit peu, là, tabarnak. Ça va, Lucie? Ouais, pourquoi? Ah, ça n'a On rien dirait à que tu voir. vas beugère sur le comptoir. Excuse-moi. Si, c'est ton avec le coup. Je suis fatiguée, je m'installe. Et si elle bouge... Si elle veut... Elle peut, non, en soi. Il y a un très bon canapé dans le bureau, si tu veux. Ouais, non. Non. Pour être moins fatiguée, tu peux le frapper lui, tu vois. Non. Lequel? Si. Lui, là, le cheveu gris. Non, je suis bouclé, là. Parce que je crois qu'il a déjà eu sa dose. Ah. Ah, tu peux frapper sa voiture. Ah non, elle est trop belle pour ça. C'est ma future Voilà. voiture en plus. Là, je suis Et pas frère, il va se d'accord. calmer lui ou je sens que je vais m'énerver, mais il veut Ah, quoi? t'as pas dit Peut-être non. la différence entre la future voiture et Mais peut-être c'est la quoi ça? voiture qu'il pourrait avoir mais qu'il n'a pas, qui est juste devant. Bon les gars, je crois qu'on va devoir C'est tuer laquelle? quelqu'un. Qui? Ça Ah merde, m'intéresse, qui? le speed, on peut rien dire.
Le SPI. Ah, faut tuer le SPI. Allez, c'est parti. Non, je parle à Andrés tranquille, tu vois. Ouais, il a dit quoi? Et genre, je lui mets ça va, t'avais l'air pas bien. Il met ouais, non, je vais toujours bien. Je lui mets si t'as besoin, je suis là. Il met j'ai besoin de personne. Je... Mais tu vois, je rigole tout le temps avec lui, donc je lui dis méchant. Ouais. Il met je l'ai toujours été, mais il vaut être trop méchant que trop gentil. Je mets certes, mais t'es une personne que j'apprécie, donc te voir mal, mais tu vois, j'aime pas. Mais je te dis, j'ai pas besoin de toi, donc casse pas les couilles et occupe-toi de tes affaires. Mais il veut quoi? Putain. Toi, je vais l'insulter, je vais lui dire va te faire foutre. Et hey, Willard, tu vas me laisser tranquille, connard. Obama, il bat Obama, c'est bon, un coup, ça va le détendre. Donc c'est pas 48 heures pour le plaque au sol, c'est 48 heures. Monsieur le Lespidi, il a sorti un truc pas très légal. Il veut dire à Fefe. C'est complètement légal. Fefe, il est là ou pas? Ah ouais, t'en sais pas. Bah bien sûr. Putain, Sartek. Oh, Scott? Oui. C'était qui du coup le mec au fond? Je sais pas, il m'a pas dit son prénom. Bizarre lui. Bah bien sûr qu'il est bizarre. Toujours là d'ailleurs. Quoi? Il est parti. Quoi? Il a dit quoi? Je lui ai dit va te faire, il m'a mis la main voilà. Obama. J'ai pas compris. Voilà. Hola. 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 Je vais défoncer. Hola, Scotty. Hola, Axia. Parce qu'il parle trop mal. Hola, hola. Vas-y. Genre, je lui dis, il était pas hola. Bien et tout, tu vois. Donc, je lui dis, si t'as besoin et tout, je suis là parce que voilà, je l'apprécie et tout. En cette pote. Puta, il est pas bien. Et il me met. Qui. Je mets ouais, t'es une personne que j'apprécie, donc si t'es mal ou quoi, ben tu sais, je suis là si t'as besoin de parler. Il met, je t'ai dit, j'ai pas besoin de toi, donc casse pas les couilles et occupe-toi de tes affaires. Si tu veux que la soirée se passe bien, il a pas intérêt à venir. Donc je lui ai dit, va te faire, et il m'a mis la même au Bahamas. Mais j'ai pas compris. Laisse tomber. Laisse tomber, c'est un idiot. C'est un sale gosse. Ouais, et allez dire ça aussi. Voilà. Elle est où la musique? J'entends pas la musique. Elle est où la musique là? Il y a plus de musique d'ailleurs. Léona va mettre de la musique plus vite s'il te plaît. Mais coupe cool, plus vite. Je sais pas. Ah, il y a du bleu Léona, c'est bien. Tu sais, ça me étonne que tu es tout seul. Que qui soit tout seul? De quoi? Ça m'étonne que tu es tout seul. Ah, on va pouvoir le mettre dans le quartier. Non, il y a Alex, mais il va arriver, je crois. Ah, au pire, on peut t'emmener faire une petite balade, si. Quand si, voilà, tu peux monter dans la Buffalo. Oui, bien sûr. Sors le sac. Tu vas te faire encouler par Alex. Pratique, hein. Super. Encouler. Oula. C'est pas Alex, c'est l'écureuil. Oh, Clom. Ça va, Elmia? Le Clom. Si, ça va bien. Et toi? Tranquille. Tiens, quand on parle du loup, il monte sa queue. Okay. Ah, ouais. Ah si, la queue d'écureuil. Arrêtez, ça va mieux. Ça va, Alessandro? Si, et toi? Je te parle en ouais, ça va. Oui. Oh, t'as l'air d'avoir une petite voix. J'ai une petite voix? Non, à la tarpe, ça va mieux. T'as vu ma nouvelle voiture? Non. Elle est moche. Voir. Comment je l'aurais vue? Allez, on va voir. Bah, avec tes yeux. Vu, oui, mais j'ai envie de recracher dessus parce qu'elle est moche. Oh, t'es un enculé. Je te retourne le compliment. C'est gentil, merci. Avec plaisir. Willard, tu déranges. Merci. En fait, la couleur, elle est bien, hein, mais elle est moche. Ok, bah merci. Alors. Pour qui j'ai l'impression que tu l'as fait exprès pour la couleur? Non, ça c'est vraiment une coïncidence. Coïncidence de fou, hein. C'est le mec, il a glissé sur le pot de peinture, puis ça a donné ce coup-là. Oui, allez. Non, c'est c'était dit. depuis quand tu les fermes? Qui a glissé sur le pot de peinture? Le mécano, apparemment. Il s'appelle Willard, en plus. Non, mais c'était juste pour justifier le fait de sa couleur, parce que je peux ça, pas... Ça doit être un très bon mécano. Ouais. Ah, par contre, il était très gentil, il m'a bien conseillé. En plus, regardez sa voiture, la voiture du mécano. C'est une coïncidence, je ne crois pas. Elle est belle en bleu. Ah, donc la mienne, elle est moche en bleu, ok, je retiens ça. Non, elle est pas belle, enfin la couleur est belle, mais ta voiture est moche. Non, moi, elle coûte plus cher. À quand la. C'est violent comme ça. Bah, faut bien être violent avec Alex. Hein. Tu vas où, toi? Je peux te piquer ta voiture 2 secondes? Non. Mais je vais faire un essai pour voir si je te l'achète un jour. Merci. Tu montes? Allez, c'est parti. Il est parti. Allez, là. On va s'amuser. Et là, on revient jamais. On parle pas de malheur. Oh. Mais je suis zinzin, lui.
Alors, c'est pas qu'elle patine, mais un petit peu, quoi. Ah oui. Non, oh, c'était avec toi, t'inquiète. Mais vraiment, en plus. Ça, c'est ça aussi. Pas avec toi, par exemple. T'inquiète, il vivra que du feu. Oh non, elle pue la merde. Enfin, elle est belle la voiture, mais. Vas-y, c'est bon. Wesh. Bon, on va retourner lui donner parce que voilà. Hop, on met le frein à main. C'est Artek. Bon. Elle patine, hein, je te l'achète pas. Bon, elle patine elle trop. Est super. Oui, mais c'est une patinoire le truc. Mais alors, elle est normale, neige aussi. Non, mais même. C'est exagéré là. D'ailleurs, attends, tu sais pourquoi elle t'as les voitures pour pilote et t'as les voitures pour toi. Hein. Ça. Pilote, voiture de merde. Pilote. Laquelle la voiture de merde? La blanche là. Mais elle est trop belle. Oula. Et tu feras gaffe hein, quand tu fais la vaisselle. Oublie pas le chiffon. Hein. Tu fais chier. Il casse les couilles ce gars. Wesh, y'a jamais eu autant de gens aux Bahamas. Ah bah le patriarcat. Ouais, méfie-toi quand même. Oh merde. Méfie-toi quand même. C'est qui lui? Toi quand même un gars de l'oucole qui fait qui peur. Qui est Louis? Raphaël, tu connais pas Raphaël? Je pas Raphaël. Déjà quand on est poli on dit bonsoir, comment tu vas? Comment est-ce que ça va dans ton pays? Voilà, c'est bien mieux déjà. Et après tu me dis, au fait t'es qui? T'es qui? Oui. Tiens, attends. Toi, tu as putain fermé ta putain de boca des merdes. Là, Léona, tu commences à me les péter. Oh, oui, ma soeur. Vas-y, Léona, insulte. Ah, tu peux insulter, vas-y. Non, mais t'inquiète. Va te faire. Il est là. Mais méchant sur Raphaël, là. Quand j'ai besoin, je suis là. De quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? C'est joli, t'as l'eau. Elle te va bien. Il y a aucun dossier, hein. Je suis pas là. À l'ossé. Ta tenue, elle va très bien aussi. Malin parce qu'il y a des gens. Comment? Ta tenue, elle te va très bien. Non, non. Pourquoi tu mens comme ça? Le seul dossier que j'ai de Léona, c'est quand elle me voit bisous. Ma tenue, elle me va pas bien? Non. Allez, c'est T'es sérieux? Non, je rigole, je rigole. T'aimes pas? En vrai, t'aimes pas? Non, ouais, c'est beau, c'est beau. Ouais, ouais, t'as intérêt. J'ai une préférence. J'ai pris la petite sacoche pour mettre de la beuh dedans pour pouvoir la vendre un petit peu devant moi. Ouais. Pratique ça. Ouais, mais j'ai quand même une préférence, pas. Oui, bah normal, tu veux pécho elle et pas moi, c'est bon. T'es pas obligé de me la baisser face à elle, hein. T'as assez cheap ou quoi? Oui, j'étais cheap. Pourquoi tu cheap? Parce que j'en ai marre, j'ai toujours des comparaisons, toujours. C'est bon. Bah, je te compare pas, t'es une très bonne sœur. Si, tu... Oula, bonne sœur dans la phrase, c'est pas une forcément une bonne idée. Il y avait fumé. Je suis pas le sûr, mais je crois qu'elle a mis carrément, là, c'est même plus un friend zone, là. C'est carrément un sœur zone, hein. Un sister zone, hein. Je t'enculé. Elle a parlé au chien, elle m'a appelé. Ah, bah, il est plus beau que Scotty. Oh merde, mais il y a le rondo, il va pas être content. Ah non. Ça peut pas être toi, Scotty. J'aime bien me mettre là, c'est ma place perso. Et vos gueules. Scotty? Avec la Scotty? Scotty, c'est moi. C'est le... Non, c'est bon, mais bon, j'ai une préférence. Je fais oui, bah c'est bon, j'ai compris que tu voulais pêcher l'autre là. T'as pas fait le custom, non, mais tu sais, t'es comme une seule pour moi. Non, j'avais un peu affluent. Ah, super, le mec. Comme bonne seule. Va bien te faire. Je répète ce qu'il a bien dit. Il a dit tu es bonne comme le seul. C'est voilà. Bien ce qu'il a dit. Je vais te trancher la gueule. Ça, c'est un souvenir absolu. Vraiment, les mecs, quand ils sont en couple et que je m'approche d'eux, ils ont besoin de me rabaisser face à leur meuf. Comme si leur meuf était en danger.
Et en plus, c'est pas grave, c'est juste que tu es comme ma sœur, vraiment. Oui, mais pourquoi tu me compares à Lucie? Mais c'est mon copain Alejandro. Je me compare pas à Lucie, c'est tout, on est différentes. Bah si, on s'est vu chez les Ryans à l'époque. Voilà. Je me souviens pas de vous. Ah bah si, si. Oh, débile. Bah si, on s'est vu. On s'est vu avec votre sœur, même, il me semble. Dehors, on en a parlé pendant. Bah si. On s'est vu à Caio, on s'est vu au Bad Lions, on s'est vu pas très loin. Si, vous êtes dans un. Allez, c'est parti. Oh putain, c'est un moment qu'on vous a pas vu. Encore. Si, bah, je dormais, j'aimais bien dormir, j'avais besoin de dormir en fait. Il a fait une période de. Putain. Trop, je prends ma veste. T'inquiète, moi aussi je vais enlever ma veste. Remets ta veste. Attends. Je te laisse quoi dire parce qu'il y a des poyos. Attention, il y a deux SUV de poyos devant. Tu peux mettre le GPS? Ouais. Tiens, je te le mets, attends. Cadeau. Merci. Très bien. Tu vas voir, je vais très bien conduire. Pas taper dans ta moto par hasard. Non. Non. Sûr. Non, j'ai rien fait. T'es sûr? Ouais. T'as pas l'air très sûr de toi là. Oh t'inquiète, je m'inquiète pas pour ma moto. Je veux dire, il s'est rien passé quoi. Dépêche-toi un petit peu s'il te plaît, j'ai vraiment mal à la tête là. Désolé, tu me dis qu'il y a des pouillots en ville là. Non, mais c'était juste au Bahamas, là normalement ça devrait aller. Ah, ok. À part s'ils nous suivent. Je crois que t'as oublié de tourner. Aïe, j'ai trop tourné là. Mais va du bon côté. Qu'est-ce qu'il y a? Oh. Vas-y, mettons pas mieux. Aïe, putain. Tu veux danser avec qui? Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ah bah j'ai mal à la tête. Je vois tout blanc. Allez, on est reparti. Coucou, c'est encore nous. Toujours moi, toujours le même, toujours le même enculé. Waouh! Ça va mieux? C'est parti! Ouais, ça va mieux. Comme d'hab, ça va mieux, mais dans 10 minutes, on est de retour, quoi. Ce sera pas ma faute, moi je vais rentrer, je pense. Déjà? Ouais, je suis claqué aujourd'hui. Ah là là. Tu veux que je te dépose où? Au Bahamas, il y a ma moto. Pas faux. Demain, tu seras là vers quelle heure, toi? Aucune idée. Ah bah, carré. Et toi? Moi, je serai là qu'au soir, donc comme ça, tu sais. Genre, très tard. 23, voire minuit. Ok. Du coup, t'auras pas de chauffeur privé d'ici là. Terrible, comment je vais faire pour survivre? Je te jure, c'est grave. Hein. Oh là là, je sais pas me déplacer tout seul en ville. Ah non, sinon, tu fais des accidents. Je vais te frapper.
Bah écoute, regarde l'état de ma voiture quoi. C'est pas moi. Non, évite de frapper. Un câlin si tu veux, c'est chiant. Quoi? Si tu veux faire un câlin, tu peux, mais frapper, c'est chiant. D'accord. Non, chaque fois que je dois payer, je suis pas rien plus. Ouais, donc j'ai un petit peu d'argent, mais bon, faut pas exagérer. Du coup, tu vas y aller maintenant? Je pense, ouais. Vas-y, bah, je vais te suivre alors. Comme ça, je suis sûr que tu fais pas d'accident. Ça marche. Ta moto par terre là. Ah, pas par là. À gauche. Encore à gauche. Ah, ici, là. Ah. Ici, quelque part. Je vais part. Y arriver. T'inquiète, c'est une habitude à prendre. Wesh. Une voiture qui vient de passer à fond. Allez, c'est reparti. Non, viens là. Oui. Attends. Oh, c'est vrai que c'est mieux qu'une bagarre. C'est pour me faire pardonner. Bah oui, on fait des records pas mal là, alors. Hein. Ah ouais. Moi, tu m'as envoyé quelques fois à l'hôpital. Je t'en ai envoyé une fois. C'est déjà trop. Les autres c'était pas moi. Si c'est toi encore. Non. Si si. Non. Allez, moi je vais y aller. T'aimes bien la neige? Non, pas trop. Enfin, oui, mais pas quand j'ai la bouche de dents par terre. Dommage. Bon, vas-y, je laisse aller dormir. Hein. Allez, à demain. Ou après-demain si jamais on n'arrive pas à se capter demain. Ça dépend si t'es crevé ou pas. Ouais, ça dépendra de ma forme. Bah essaye de pas être trop crevé hein. Ouais. Bon, vas-y, à demain. Allez, à plus. Bonne nuit. Bonne nuit. Allez. Bon, j'ai pas mis d'avatar, mais je suis là en présence. J'ai des notifs. Ok, j'irai voir plus tard. Je vous remercie d'être venu aujourd'hui. J'ai pas dit merci à tous les follow. Pardon, attendez. Et qui a suivi aujourd'hui? Il y a Rosalia, Stevirus, Anne Nicolanas. Merci à vous trois pour les follow. Merci beaucoup. Et bienvenue sur la chaîne, du coup. On fait du multigaming ici. Et en ce moment, je suis pas mal en RP parce que je viens juste reprendre. Donc vous risquez d'en voir un peu beaucoup. Si tout se passe bien, en tout cas. Je vais essayer aussi de vous faire du fée farm parce que j'ai eu le jeu pour Noël. J'aimerais bien le découvrir avec vous si j'ai le temps. Donc on verra pour se faire ça peut-être demain dans l'après-midi. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie infiniment d'être venu et je vous retrouve demain. Ciao ciao.